Bonsoir à tous, aujourd'hui je vous présente N'oublie pas mon petit soulier de Gabriel Katz, paru aux éditions du Masque. Et c'est l'histoire de Benjamin qui a un job de Père Noël dans un grand magasin parce que c'est un acteur raté et qui tombe sur une fille à tomber et qui accroche plutôt bien avec elle et vice versa. Elle a beau être extrêmement riche et entourée de son gorille, il y a quelque chose qui cloche et quand elle le ramène chez elle, et qui tombe sur une vieille femme qui parle l'albanais. Il se dit que quelque chose cloche véritablement. Puis les fusillades commencent et il se retrouve embarqué dans une course-poursuite jusqu'en Thaïlande où il va faire son possible pour réchapper aux fameux albanais et à l'équipe policière de la France qui va le rechercher pour complicité. Voilà. Difficile de vous en dire plus, si ce n'est que c'est un méga coup de cœur, c'est un livre génial qui est vraiment vraiment le livre pour ces fêtes de fin d'année. On est mort de rire du début à la fin, c'est vraiment vraiment hilarant. On se prend d'affection pour les personnages, il leur arrive que des merdes, mais c'est vraiment super bien écrit. Le langage est vachement familier, du coup on s'immerge complètement dans l'histoire et on rigole du début à la fin. C'est vraiment une parenthèse sur la vie de tous les jours et c'est tout à fait propice à la saison actuelle qui nous plonge très bientôt dans les fêtes de Noël. Donc moi je vous le conseille, surtout ne passez pas à côté, c'est N'oublie pas mon petit soulier de Gabriel Katz et c'est paru aux éditions du Masque. Voilà, si vous ne savez pas quoi offrir pour Noël, ça c'est la réponse. À bientôt.